Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une phrase sur Excel. C'est un indicateur mais avec une autre façon, comme vous allez voir. Et c'est par exemple 60%, ici 40%, 66, 0%, 98%, etc. Ok, on va donc directement commencer. Ici par exemple on va prendre ici objectif. Par exemple 25, donc on va faire plus objectif ici multiplié par pi divisé par 100. Ok, on va donc être égal ici cosinus de ceci, et ici égal à sinus de ceci, et ici on va mettre 0, ici 0. Ok, on va donc directement construire la courbe de ce type nuage. Voilà, on va donc sélectionner, si modifier, dans l'axe des Y on va prendre ici, dans l'axe des X on va prendre ceci. Ok, ensuite sur cet axe je sélectionne l'axe des enfants et je mets ici dans l'échelle moins 1 et ici 1. Ok, sur l'autre axe ici la même chose, ici moins 1 et ici 1. Ok, ensuite je vais supprimer cet axe, je vais supprimer cet axe, je vais supprimer les quadrillages vertical et horizontal, et ici le contour etc c'est aucun, et pour ceci même c'est aucun. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre ici par exemple 80, 10, 10, et ici 100. Pour que ce son soit la somme de ceci. Ensuite, je clique, je sélectionne, ajouter, et je vais choisir ceci. La même chose. Ok. Je clique sur le graphique, je choisis deuxième série et je clique par la droite et je fais modifier le type. Maintenant ceci, je choisis deuxième et je choisis ce type là. Ensuite je clique ici et je choisis sélectionner les données. On va mettre, je vais supprimer et choisir ces données. Ok, je clique sur la droite ici, transforme, et ici je fais 270. Ok, et sur demi anneau inférieur je clique par la droite et je fais aucun remplissage. Ok, ceci, pour ce morceau je vais le colorer en rouge, pour ce petit morceau en jaune et l'autre petit morceau en vert. Voilà, je sélectionne, attendez, je vais déplacer ceci. Bon, je sélectionne cet indicateur, je mets mettre en forme ici pour la coloration. Je mets coloration par exemple bleu. Pour la taille je vais agrandir, et pour le type de flèche initiale je mets ce bouton comme ceci. Pour le type de flèche finale je mets ceci. Ok, ok, voilà. Donc reste donc, je vais supprimer ceci, je vais retourner ceci, je clique, je mets étiquette, il me donne ceci.
Et moi je vis 25%, donc je vais plus ceci divisé par 100. Et je mets en mon pourcentage. Et ici, je mets, je clique. Et à l'intérieur, je mets égal. Je choisis comme ça à l'intérieur, je mets égal à ceci. Je clique par la droite, mettre en forme d'étiquette. Et je mets en dessus. Ok. Je vais supprimer le petit 0 ici. C'est donc 25%, mais elle est là. Donc pour remédier à ceci, je fais ici moins cosinus. Ou bien multiplié par moins 1. En cosinus. Donc c'est, voilà. Et donc. Je fais ici 20%, 50%, 99%, 98%, 100% même, 47%, etc. Ok, n'hésitez pas donc à vous abonner sur ma chaîne, c'est important. Ok, merci. À la prochaine.